Bonjour, me revoici Linda Minotti de Royal Lepage, Humania. Aujourd'hui, je vous présente une superbe propriété appelée le Nid d'Aigle. Et vous verrez plus tard pourquoi. Maintenant, je suis sur le bord d'une rivière qui coule à l'année partout sur le terrain de 97 acres de terrain qui vient avec cette belle propriété. De plus, vous avez 4,4 km de randonnée pédestre, une piste déjà faite, soit pour du vélo de montagne, pour la raquette, le ski de fond, la randonnée pédestre, avec votre VTT, quoi de mieux d'avoir votre propre domaine privé, intime. C'est un oasis de paix. Il faut venir visiter. Mais par contre, suivez-moi, j'ai d'autres surprises pour vous. Et voilà, un autre petit ruisseau. J'ai oublié de vous dire, vous savez que c'est baignable et l'eau est potable. Imaginez-vous une petite baignade ici, avec un petit coin feu. Quel bonheur pour tous, les enfants, les amis, les parents. C'est merveilleux. Je vais vous décrire un petit peu c'est quoi le Nid d'Aigle. Le Nid d'Aigle est une belle propriété avec un salon, avec son foyer, la salle à manger, la cuisine à air ouvert. Assez grand pour recevoir une grande famille, avec une magnifique, superbe vue sur le lac Archambault et ses montagnes. Vous le verrez tantôt. Également, cette belle propriété possède 4 chambres à coucher, une salle familiale, une salle de lavage, 2 salles de bain complètes et 1 salle d'eau. Et au sous-sol, il y a une entrée extérieure où est-ce que vous pouvez rentrer et sortir à votre guise. Ce serait très bon pour des ados quand ils arrivent tard le soir, quand ils vont au village. Car nous sommes, je vous dirais, à 15 minutes du village de Saint-Donat et de Mont-Garceau et du Mont-la-Réserve. J'ai dit 15, mais c'est entre 7 et 15. Je n'ai pas exactement les bonnes minutes, mais ça varie entre le 7 et le 15 minutes. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons remonter au Nid d'Aigle. En 2-3 minutes, je vous reviens pour vous montrer la magnifique vue sur le lac Archambault qui est exceptionnelle. J'ai oublié de vous dire aussi, il y a des fruitiers partout. Les vendeurs ont pris soin de ce Nid d'Aigle avec le prunelle de leurs yeux. Pour eux, c'est important qu'il y ait quelqu'un qui vienne acheter ce domaine comme eux, ils l'ont aimé. Ils ont un changement de vie et c'est correct. Il faut avancer dans la vie. Mais ils ont planté des fruitiers, des bleuetiers, des framboisiers, des pommiers, des pruniers. Ils ont même essayé de faire des vignes pour le vin. Et savez-vous quoi? Un fruitier qui s'appelle le camarisier. Allez voir sur Internet, c'est un antioxydant. Et ici, le vendeur a même fait du vin avec ses camarisiers et la rhubarbe. C'est excellent. S'il en reste encore, je vous le ferai goûter. Si vous voulez une visite, attendez, vous allez aller voir en haut et ensuite, vous pourrez m'appeler pour une visite. Oups! J'ai oublié de vous dire, vous avez une serre ici que vous pourriez acheter avec le Nid d'Aigle qui est autosuffisant. Et de plus, tout ce qui manque, c'est un poulailler avec des belles poules pour vous donner des beaux œufs de couleur. Donc, n'oubliez pas, appelez-moi pour une visite!